j'ai terminé cette partie. Donc, comme je vous ai dit, vous allez mesurer d'ici. Cette partie élastique, vous la comptez pas. Pour cet angle, je vous ai dit, il faut faire 21,5 cm. Donc, je mesure d'ici, là, juste après cette partie élastique. Vous allez compter avec les deux rangs en mailles serrées. Voilà, 21,5 cm. On va continuer maintenant. Voilà, regardez le point, comme il est magnifique. Regardez ici, on dirait du tricot. C'est le point tricot que je vous ai montré. On obtient ici comme si du jersey. C'est pour ça qu'on l'appelle point tricot. Donc, maintenant, regardez. Ici, comme je vous ai dit dans mon cas, j'ai 156 mailles. Je vais prendre ces 156. Je vais soustraire les 8 cm ici, les anses. Ici, la partie des aisselles. Donc, j'ai fait une chaînette qui fait 8 cm. Ça m'a donné 16. Donc, je vais mettre 8 mailles ici et 8 mailles de ce côté. Et vous, cette aisance dépend de l'âge de l'enfant. Je vous ai déjà donné les chiffres. Donc, ces 8 cm, je les fais en chaînette. J'ai trouvé 16. Donc, je vais mettre 8 mailles par là et 8 mailles par là. Donc, ici, je vais soustraire 16 mailles. Les 156 mailles, je vais soustraire 16 mailles. J'ai trouvé 140. Maintenant, ces 140, je vais les diviser par 2. J'ai trouvé 70. Voilà, donc ici, comme c'est ouvert par le devant, j'ai mis 35 mailles ici, j'ai mis un marqueur, et 35 mailles de ce côté, et j'ai mis un marqueur. Là, j'ai laissé 8 mailles. Le dos, vous allez 70 mailles, puisqu'on a divisé sur 2, les 140 ici, donc 70 pour le dos, et 70 pour le devant. 35 ici et 35 ici. Je répète, donc ici 35 mailles, 8 mailles, 70 mailles, 8 mailles, 35 mailles. Voilà comment calculer, c'est parti. On va continuer maintenant. Maintenant, on va travailler le premier demi-devant seul, le deuxième demi-devant seul et le dos seul. Après, avec ces mailles, on va faire les manches. Je vais commencer. Maintenant, pour avoir ici un col V, on va faire des diminutions de ce côté et des diminutions de ce côté. Je vais travailler maintenant que ces 35 mailles. Comme je vous ai dit ici, le point, c'est une répétition de 4 rangs. Ici, je répétais que 3 rangs. Donc, je dois faire le quatrième. Et on fait les diminutions que sur le premier et le deuxième rang. Donc, le rang du point tricot et le rang des mailles serrées. C'est sur ces deux rangs qu'on va faire les diminutions. Et on va pas faire ça sur les rangs des brides. Donc ici, si vous allez commencer vous avec le rang 1 et 2, vous allez faire directement les diminutions. Et si vous allez commencer comme moi avec le rang des brides, vous n'allez pas faire les diminutions. Donc ici, moi, il me reste un rang des brides à faire. Donc, je vais piquer sur la première maille pour faire les trois mailles serrées superposées. Et je vais continuer à travailler en bride croisée. Là, c'est le quatrième rang. Vous voyez, je vais terminer ce quatrième rang jusqu'ici au marqueur. Maintenant, on va travailler que cette partie. Voilà, je suis arrivée ici au marqueur. Je vais terminer cette maille. Donc ici, c'est le demi-devant droit. Et les diminutions, on va les faire que de ce côté. Vous voyez, le côté ouvert par là. Maintenant, on va répéter ces 4 rangs comme on a fait ici. On va commencer par le point tricot. Je vais faire tout d'abord une maille en l'air. Je tourne. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais commencer le point. Et sur ce rang, on va faire la diminution de ce côté pour faire le col V.
Voilà, je vais continuer cette ligne avec vous. N'oublie pas de travailler sur le brin arrière de la maille, sur le premier et le deuxième rang. Bientôt terminé. Donc, comme je vous ai dit, c'est ici qu'on va faire la diminution. Donc, on va laisser la dernière maille, on ne va pas la travailler. Il me reste là deux mailles à faire. Voilà, et je vais laisser la dernière maille, je ne vais pas la travailler. Je tourne maintenant le travail sans faire une maille en l'air. Maintenant, on va faire le deuxième rang. Je vous ai dit, on va faire les diminutions aussi sur le deuxième rang. Donc, je vais laisser la première maille et je vais passer directement à la deuxième maille. J'attrape le brin arrière de la maille et je vais faire une maille serrée. Donc, ici, c'est la première maille serrée. Marquez-la si vous voulez. Comme ici, on a fait une diminution, vous risquez de l'oublier. Donc, marquez cette maille. Et on continue à faire des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Donc, les diminutions, on va les travailler sur le premier et le deuxième rang. Vous laissez à chaque fois une maille. Ici, le rang du point tricot, on a laissé à la fin une maille. Et ça, le rang des mailles serrées, on a laissé une maille. On a fait une diminution. Et je continue à travailler jusqu'à arriver ici à la fin. Donc, j'attrape le brin arrière et je fais des mailles serrées individuelles tout le rang. La dernière maille ici. Maintenant, le troisième et le quatrième rang, on va les travailler pareil. On va faire des brides croisées. Tout d'abord, je vais piquer sur la première maille et je vais faire les trois mailles serrées superposées qui remplacent les trois mailles en l'air et qui vont compter comme la première bride. Donc, je laisse une maille et maille suivante, je pique. La première bride, je recule dans cette maille que j'ai laissée, une deuxième bride, ainsi de suite. Vous voyez, vous allez terminer le troisième et le quatrième rang pareil. Ici, j'ai terminé le premier rang en bride croisée et à la fin ici, il me reste deux mailles au lieu d'une seule maille. Donc, vous allez faire deux brides individuelles. Voilà, je vous montre tout. Si vous aurez ce problème, vous allez faire deux brides individuelles au lieu d'un seul. Ça ne change rien. L'essentiel, vous aurez le même nombre d'émailles. Ici, pour le quatrième rang, comme vous avez deux brides ici à la fin, donc ici, vous allez commencer par deux brides individuelles. Vous voyez, comme ça, après, sur ces brides croisées, vous allez faire les brides croisées. Voilà, je vous laisse terminer. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, il vous reste à répéter ces quatre rangs. Le premier et le deuxième rang, vous allez faire les diminutions. Troisième et quatrième, vous n'allez pas faire les diminutions. Donc, une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais faire maintenant le rang du point tricot. Et ici, à la fin, je vais faire la diminution. Donc, je laisse une maille. Donc, j'attrape le brin arrière de la maille. Et je fais le point tricot. Je passe la troisième boucle à travers les deux autres. Voilà, bientôt terminé. Donc, comme je vous ai dit, on va faire la diminution, donc la dernière maille, je ne la travaille pas. Il me reste ici une seule maille. Maintenant, sans faire une maille en l'air, je tourne le travail.
Je vais faire le deuxième rang, c'est le rang des mailles serrées. Donc le deuxième rang aussi, on va faire la diminution. Donc je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième directement et je vais faire la maille serrée en prenant le brin arrière de la maille. Et cette première maille, je la marque pour ne pas l'oublier après. Et je continue le deuxième rang à faire des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Vous allez terminer ce deuxième rang, après vous allez faire le troisième et le quatrième rang des brides croisées et vous allez répéter ces quatre rangs jusqu'à ce que, je vous montre, donc ici c'est le demi devant droit et ça c'est le demi devant gauche, nous on travaille ici. Vous allez terminer à travailler jusqu'à ce que vous mesurez d'ici où vous avez commencé de travailler le premier demi devant droit. Là, à là, vous allez faire pour cet âge 7 ans 16,5 cm. Donc pour les 2 ans, vous allez faire 13 cm. Pour les 3 ans, vous allez faire 14 cm. Pour les 4 ans, vous allez faire 15 cm, les 5 ans, 15,5 cm, 6 ans, 16 cm, 7 ans, dans mon cas là, 16,5 cm, 8 ans, 17 cm, 9 ans, 17,5 cm, 10 ans, 18 cm, 11 ans, 18,5 cm, 12 ans, 19 cm. Donc, et quand vous mesurez d'ici d'en bas toute cette partie terminée, vous aurez pour les 2 ans 34 cm hauteur totale, pour les 3 ans 36 cm, les 4 ans 38 cm, les 5 ans 40 cm, 6 ans 41 cm, 7 ans 43 cm, 8 ans 44 cm, 9 ans 46 cm, 10 ans 47 cm, 11 ans 49 cm et 12 ans 50 cm d'hauteur totale. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous allez terminer maintenant ce demi devant droit et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le premier devant droit. Regardez, j'ai fait 16,5 cm pour cet âge, 7 ans. En mesurant d'ici, le premier rang à la 16,5. Vous voyez? Maintenant, ici à la fin, je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais laisser une bonne longueur ici pour coudre avec après cette partie avec le dos. Maintenant, pour faire cette deuxième partie, vous allez accrocher le fil. Tout d'abord, je vais faire un nœud coulant. Je vais accrocher le fil ici où il y a le marqueur. Donc ce côté, le premier devant droit, on a commencé d'ici, donc toujours sur le côté en droit. J'ai commencé ici. Le deuxième demi gauche, on va commencer de ce côté et ici on va faire comme on a fait ici les diminutions pour avoir le col V. Donc ici j'enlève le marqueur. Là, j'ai fait déjà 3 rangs, il me reste le quatrième avec des brides, comme j'ai fait ici exactement. Donc, je vais faire les 3 mailles serrées superposées pour faire la première bride, ou les 3 mailles en l'air. Donc ici, comme je suis sur les 2 brides, donc je vais faire 2 brides individuelles pour commencer. Vous voyez, il ne faut pas faire une seule bride, puisqu'ici, les brides croisées du rang suivant, elles doivent être sur les 2 brides croisées du rang précédent. Donc ici, on ne peut pas, c'est le début, on ne peut pas faire des brides croisées directement. Donc, je vais faire 2 brides individuelles. Maintenant, je vais commencer le motif. Donc, 2 brides croisées. Je continue.
Donc, je vais terminer ce premier rang et on se retrouve. Donc, ici, vous allez terminer le rang avec une bride individuelle. Donc, comme je vous ai dit, les diminutions, on va les faire sur les deux premiers rangs. Et le 3 et 4, on ne va pas faire les diminutions. Vous, si vous commencez cette partie avec le premier ou le deuxième rang, donc vous faites directement les diminutions ici. Je vous laisse maintenant terminer ce rang et on se retrouve. Il me reste ici la dernière bride individuelle. Maintenant, on va commencer les rangs de diminution puisqu'on va faire le premier et le deuxième. On va répéter cette partie. Donc, les diminutions, elles doivent être de ce côté. Sans faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais faire le rang du point de tricot. Et là, je vais laisser la première maille. Je vais piquer directement dans la deuxième. Et je vais faire le point de tricot. Vous voyez, je marque la première maille. Vous voyez, puisque ici, ça doit être le col V. Donc, on va commencer les diminutions de ce côté. Et je continue. Je vais faire ce rang. Et après, je vais faire le rang des mailles serrées. Regardez. Comme on a travaillé de l'autre côté, rien ne change. Donc, je vais terminer ce rang. Et après, le rang des mailles serrées. Et ici, à la fin, comme on a fait ici, on laisse une maille comme diminution. Et après, je continue le troisième et le quatrième rang. Je vous laisse maintenant terminer cette partie. Vous allez faire en tout 16,5 cm pour cet âge, comme on a fait de ce côté. Et après, vous allez attaquer le dos. Pareil, vous allez vous attacher ici où il y a le marqueur. Donc, c'est 8 mailles. Dans mon cas ici, je vais les laisser. Je vais travailler que sur ces mailles. Donc, du marqueur au marqueur. Je vais répéter ces 4 rangs jusqu'à avoir 16,5 cm comme j'ai fait sur les deux demi-devant. Je vous laisse terminer maintenant tout ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de crocheter les deux demi-devant et le dos. Vous voyez? Et voilà le résultat. Vous voyez ici le col V. Maintenant, on va coudre ici le demi-devant avec le dos. J'ai déjà cousu cette partie. On va coudre l'autre partie ensemble. Donc, si vous voulez coudre ça avec le crochet ou avec l'aiguille à laine, à vous de voir. Maintenant, je vais mettre le gilet à l'envers. Voilà, j'enlève ici l'épingle. Maintenant, je vais piquer ici dans la première maille. Je vais piquer dans la maille en face. Je récupère le fil et je vais faire une maille en l'air. On va fermer maintenant cette partie avec des mailles coulées. Donc, maille suivante, je pique. Vous prenez la maille entière avec ces deux brins. Maille en face, je ramène le fil et je vais faire des mailles coulées. Et vous serrez pas trop les mailles coulées. Et je continue. Maille suivante, je pique. Maille en face, maille coulée. Maille suivante, je pique. Maille en face, maille coulée. Si vous voulez pas fermer ça avec le crochet, utilisez l'aiguille à laine. Voilà, je vais faire que des mailles coulées. Voilà, je vais terminer ça jusqu'ici et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Là, déjà, c'est coupé. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine et je vais le cacher. Regardez, je vais piquer dedans les mailles. Je coupe le fil. Et voilà le résultat. Et voilà la couture que sur ces deux parties là. Donc ici les manches, on va travailler sur ces mailles. Maintenant, on va faire ici des rangs pour faire les boutonnières.
Je vais prendre le fil. Je vais commencer par faire un nœud coulant. On va travailler avec le crochet numéro 4. Donc ici, comme on a 13 mailles ici, je vais récupérer ces 13 mailles. Et je vais faire pour le premier rang des mailles serrées. Que des mailles serrées. Donc une. Ces fils, je vais les cacher en travaillant. Maille suivante, je pique. 2. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12 et la dernière maille de cette partie, 13. Puisqu'au début ici, j'ai fait 13 mailles. Donc, je dois avoir maintenant 13 mailles. Vous voyez, j'ai fait des mailles serrées. Donc, ce premier rang, on va faire que des mailles serrées. Et après, on va alterner ces deux points comme ici. Un rang au point de tricot et un rang aux mailles coulées. Juste le premier rang que des mailles serrées. Et je continue à faire des mailles serrées. Sur chaque maille, je pique une maille serrée. Vous voyez que des mailles serrées. Maille suivante, je pique maille serrée. Maille d'après, maille serrée. Je vais faire maintenant que des mailles serrées. Regardez, tout le tour comme ceci. Là, et je descends jusqu'ici. Je vais terminer ce premier rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le premier rang en maille serrée tout le tour jusqu'ici. Maintenant, le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais faire le point tricot. Donc, je vais piquer toujours sur le brin arrière de la maille. Je vais faire un jeté. Je vais piquer sur le brin arrière. Et je vais faire le point tricot. Je vais passer la troisième boucle à travers les deux autres. Et toujours en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, sur chaque maille je pique et je vais faire le point tricot. Je vais terminer ce rang et on se retrouve. J'ai terminé le deuxième rang, maintenant le troisième, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées. Donc, je vais piquer sur le brin arrière, toujours, mailles coulées. Et vous ne serrez pas les mailles coulées. Sur chaque maille, je pique, j'attrape le brin arrière et je fais une maille coulée. Voilà, je vous laisse terminer le troisième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le troisième rang. Maintenant, le quatrième et le cinquième, vous allez répéter le deuxième et le troisième rang. Donc, le premier rang en maille serrée, on ne le répète plus. Ça y est, on l'a fait une seule fois. On va répéter que le deuxième rang, le point tricot et troisième rang, maille coulée. Maintenant, vous allez faire le quatrième rang en point tricot et le cinquième rang en maille coulée. Je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le cinquième rang. Regardez le résultat pour le moment. On va continuer maintenant. Regardez, j'ai pris 4 marqueurs et j'ai marqué côté droit ici la place où je vais faire les boutonnières. Donc, j'ai mis ici 4. Donc, je vais faire 4 boutonnières. Vous voyez, la première, ce sera ici. Avant de commencer cette partie de premier devant, donc j'ai mis ici pour fermer de ce côté. Comme c'est un col V, on doit fermer un peu plus bas. Et j'ai réparti les trois autres comme ceci. Vous voyez, un là, et un là. Maintenant, je vais faire le sixième rang.
c'est le rang où je vais travailler avec le point tricot. Donc une maille en l'air, je tourne le travail et je vais commencer. Donc première maille brin arrière, la dernière boucle à travers les deux autres. Et je continue à faire le point tricot. Regardez, je vais continuer à travailler dans ce sens, toute cette partie. Et une fois arrivé ici, on se retrouve pour faire les boutonnières. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé toute cette partie, là. Et en arrivant au premier marqueur, je vais faire deux mailles en l'air. Je vais sauter deux mailles, je vais piquer dans le troisième, brin arrière comme d'habitude. Et je continue à travailler en point tricot. Vous voyez, rien n'est compliqué. Voilà, je continue comme ça et je vais faire pareil ici au prochain marqueur. Je vais faire deux mailles en l'air, je laisse deux mailles et je continue à travailler. Deux mailles en l'air, je saute deux mailles et je continue à travailler. À la fin ici aussi, deux mailles, je saute deux mailles et je continue à travailler. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé et regardez les boutonnières. Vous voyez, j'ai fait 4. Maintenant, le septième rang. On va faire des mailles coulées, donc une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais piquer sur le brin arrière de la maille et je vais faire dans ce rang que des mailles coulées. Allez. Ici, sur les deux mailles en l'air, alors il reste une maille, vous piquez dedans la maille. La maille en l'air et vous faites une maille coulée. Ici la première maille suivante, je pique une maille coulée, vous voyez, et je continue à faire des mailles coulées sur les autres mailles. Voilà, vous allez continuer de travailler comme ceci le septième rang. Après, vous allez alterner ces deux rangs, le huitième, le neuvième, le dixième et le onzième rang. Il vous reste 4 rangs à faire. Là, c'est le rang des mailles coulées, après point tricot, après mailles coulées, point tricot. Je vous laisse terminer les rangs restants jusqu'au rang numéro 11 et on se retrouve.